Et les pensionnaires du stade des Arbères qui vont être opposés aux pensionnaires de White Hart Lane. Effectivement, vous l'aurez compris, le FC Merin qui va jouer face au Tottenham Hotspurs pour un match de classement, 7ème, 8ème place. Et Hamdouni qui peut partir, s'appuie sur Affolter. Affolter qui a voulu glisser, mais intervention Moroyine. Attention, parce que là, on est à 20 mètres des goals, on rentre dans les 16 mètres avec un centre de Phoenix qui a été contré. Premier corner de cette pour partie. Phoenix, retour à Réo. Avec l'appel de Marcel de l'autre côté, on a préféré jouer dans l'axe. On a joué en remise. Réo qui se présente seul face au gardien. Poteau goal et ouverture du score par l'intermédiaire du numéro 7, Griffith. Réo du côté de Tottenham. C'est déjà son quatrième but à Réo dans cette compétition. Folter pour Mbunzama qui laisse passer. Tombola avec plusieurs appels et finalement il préfère celui de Visentini. Oh là, contrôle de Visentini, superbe! Oh là là, quel but extraordinaire! Il n'en aura pas mis beaucoup, Visentini, c'est le deuxième. Alors à chaque fois c'est extraordinaire. Et le Merin FC qui revient dans la partie par l'intermédiaire de son buteur maison, le numéro 11, Axel Visentini. Elliot qui a pu écarter sur le côté gauche. Phoenix face à Dal Silva Pires. Phoenix, il peut centrer. Et la reprise de Réo sur la latte. Attention, mauvais dégagement, c'est pas terminé. Jamie qui peut mettre la tête. Elliot de nouveau avec un ballon en cloche. Et cette fois-ci, pas de problème pour la Chenal. Et grosse opportunité pour Tottenham qui aurait pu prendre l'avantage juste avant la pause. Moroin avec Phoenix. Phoenix pour Jamie dans l'axe. Jamie qui met pour Rodel. C'est bien fait. Rodel qui se retourne. La frappe de Rodel. Intervention du portier. Mais le ballon qui termine au fond. Et c'est le deuxième but de Tottenham juste avant la mi-temps. Et ce but-là est inscrit par le numéro 9, Richards Rodel. Et coup d'envoi de cette deuxième période entre les Tottenham Hotspurs et le Merin FC. On vous rappelle que Tottenham a pris l'avantage et mène par 2 buts à 1. Ils ont pris l'avantage juste avant la mi-temps. Ah, un ballon qui, à mon avis, n'avait pas dépassé les 16 mètres. On aurait dû faire retirer les 6 mètres. Et récupération mérinoise. Mais tout de suite, on peut envoyer Réo sur le côté droit. Et Nils Ponceau qui a bien couvert et qui peut transmettre à son portier. Dégagement pour Saliu qui rate son contrôle. Par contre, derrière, ça va aller très très vite. Sabri Couty, il est tout seul face au gardien. Sabri Couty, et l'égalisation du Merin FC. Une fois de plus, le Merin qui revient dans la course après 27 minutes et 24 secondes. Le but pour Merin par l'intermédiaire de son numéro 19, Thomas Sabri Couty. Jimmy peut se retourner et jouer sur Marcel sur le côté droit. Et ça, c'est très bien fait de Réo qui a réussi à éliminer Tombola. Réo qui continue, il a éliminé Ponceau aussi. Réo tout seul, c'est pour Rondel. Et le troisième but de Tottenham après 29 minutes et 18 secondes de jeu. Alors les deux équipes qui n'auront pas été à égalité très longtemps. Et le doublé aujourd'hui pour Richards Rodel. Chez les relances anglaises. Alors après, bien évidemment, ça laisse des espaces entre les lignes. Et on va essayer d'en profiter côté anglais avec cette ouverture à destination de Réo. Réo qui se bat bien. Réo avec la sortie de la Chenal. Intervention du portier. Le but de Rodel qui est annulé pour une faute là sur le portier de Phoenix, qui a obtenu un coup franc. Il va se faire justice lui-même. Le mur est à distance. Et Patterson Phoenix, c'est directement, effectivement, un ballon qui n'a pas été touché par Johan Lachenal. La touche en faveur du Merin FC. Et le coup de sifflet final qui est donné ici et qui voit le Tottenham Hotspurs s'imposer sur le score de 3 buts à 2 face au Merin FC. On aura vu une équipe de Merin avec beaucoup d'envie. Malheureusement, il leur aura manqué quelques petites choses. Et ils auront fait un très très bon tournoi, les Genevois.